C'est une vache, Prajna? Non, tu n'auras pas mon orange. Elle est en train de se dire, de toute façon, t'as pas le droit de me toucher, je suis sacré. Je suis sacré, tu peux rien. C'est une Prajna pas raté, hein, toi. Hein? Ouais. Sont pas nés, ils font pas vraiment de trucs très négatifs des fois, hein, surtout une vache par exemple. Végétarien. Végétarien. Donc si t'as un tigre, tu seras toujours tigre, quoi. Oh. C'est ma copine, Titi. Non, c'est. Le processus est. Pourquoi? Et comme ça, c'est que. Les tigres, ils font beaucoup de négativité. Mm-hmm. Donc ils renaissent de plus en plus bas. Mais un endroit ou un enfer, tu peux même plus faire d'actes négatifs tellement tu souffres. Mmh. Ouais, t'éponges. Et donc t'éponges, et au bout d'un moment, tu remontes. Il y a un truc qui s'appelle l'interdépendance qui est vachement chouette, c'est que aussi les filles peuvent rencontrer les bodhisattvas et. En enfer? Oui, ou en enfer, ou même en Antarctique, et ça fait des connexions, tu vois. Mmh. Par exemple. Quand la nonne taïwanaise s'est suicidée. Ah ouais, bah raconte-lui à Thierry. Mais je suis ça, toi. Elle est bien. Vas-y, filme Thierry. Vas-y, moi. Pas filmé, mais à cette époque, ils avaient décidé d'appeler d'un gargement en disant il n'y a plus que lui, il faut qu'on aille le chercher. Je crois qu'il était dans le sud de là, d'un gargement. Et ils ont envoyé les émissaires pour dire il faut que d'un gargement revienne et il faut réfuter cette police. D'un gargement a dit non, moi je vous envoie à l'aide. À un moment, dans le débat, c'est l'Indien, l'hindouiste, manifeste un perroquet par magie. Et il lui dit, tu vois, toi tu es comme un perroquet, tu ne fais que répéter ce que tes maîtres t'ont dit et ce qui est marqué dans les textes. Aryadeva manifeste un chat, le chat bouffe le perroquet. Et là l'Indien s'énerve en disant, voilà, tu as perdu ton débat. Toi qui prétends être bouddhiste avec la compassion, etc., etc., ta compassion, tu as fait un chat qui a tué mon perroquet, tu n'es même pas un bouddhiste.